à tous et bienvenue sur Sakemambon. Alors aujourd'hui, Sakemambon part en voyage sur des terres viticoles. Alors pourquoi Sakemambon part en voyage sur des terres viticoles? Mais tout simplement parce qu'à côté de Condrieu se trouve la brasserie pionnière de la production de saké en France. J'ai nommé Les Larmes du Levant. Alors nous allons partir à la rencontre de Grégoire, le propriétaire de la Sakagola Les Larmes du Levant, afin qu'il nous explique comment on produit du saké et notamment comment on produit du saké en France. La vidéo étant très longue, Grégoire ayant eu beaucoup de choses à nous dire, nous avons décomposé la vidéo en trois parties. La première, que vous êtes en train de regarder, va se focaliser sur comment est produit le saké à la Sakagola Les Larmes du Levant. Grégoire, notre guide, va nous accompagner au sein de sa Sakagola et nous montrer comment on produit du saké chez lui. La seconde vidéo sera l'interview de ce même Grégoire qui nous expliquera sa passion pour le saké et comment se constitue la vie d'un brasseur de saké en plein milieu de terre viticole. Enfin, la dernière vidéo sera consacrée à la dégustation des 5 sakés de la gamme des Larmes du Levant. Nous commenterons cette dégustation avec Grégoire, qui nous donnera son ressenti sur ce qu'il a voulu faire passer au travers de ses sakés à son public. Alors, à tous vos gunomi, et c'est parti pour aller découvrir ensemble la Sakagola Les Larmes du Levant à Pélussin. Campaï! Travaille avec 4 types de riz. Ici, vous en avez 3 pour la présentation. Du Yabananishiki, de l'Omachi et du Tamazakai. Le Tamazakai qui est poli à 80%, donc on parle toujours en polissage résiduel, c'est ce qui va rester de la graine après le polissage. Donnera notamment des profils de saké qui auront un peu plus de corps, un peu plus d'acidité. Le Yamada, à contrario, à 50%, lui, prendra des sakés un peu plus légers avec une sucrosité un peu plus présente. On va polir le riz pour retirer le péricarpe, qui est ce qui distingue le riz blanc du riz complet, et on va aussi retirer un maximum de couches externes qui sont constituées de protéines. Le but étant de garder, de rendre l'amidon présent dans le cœur du riz le plus accessible. Alors évidemment, plus vous polissez ou plus il reste que de l'amidon, au moins vous polissez ou plus il va vous rester un peu de protéines qui peuvent apporter des goûts assez intéressants aussi quand ils sont bien travaillés. Donc la première étape va consister à récupérer notre riz qui arrive directement pour nous du Japon en sac de 30 kg. On va le peser et on va commencer par le laver. On le lave avec cette machine qui est spécialement fabriquée pour le lavage du riz. C'est assez simple, on verse le riz à l'intérieur de cette grosse casserole. À l'intérieur, on a de l'eau qui monte en pression à 2 bars et demi, 3 bars. Et le riz va tourner pendant une petite minute. On le lave pour le débarrasser à la fois des petites pailles de riz qui peuvent rester pendant le transport et surtout de la poussière d'abrasion. C'est-à-dire que le riz va frotter et comme le riz n'est plus protégé par son péricarpe, il va naturellement frotter contre lui-même et on va récupérer ce qui est une poussière qui s'appelle du nuka, qui peut servir au Japon pour faire notamment des mochi ou d'autres choses. Et nous, on va libérer le riz de cette poussière en fait. Donc le riz va être lavé. On ouvre ensuite la balle en dessous et on va le récupérer dans un sac en polymère qui est imputrescible. Et on va venir le tremper. Il est mis à tremper parce que c'est des riz qui sont cuits à la vapeur, toujours. On veut impérativement que l'amidon reste au maximum au cœur du grain de riz et que le grain de riz soit encore travaillable et qu'on puisse le manipuler sans qu'il s'effrite. Donc pour ça, on le cuit à la vapeur. Pour ça, on va le gorger d'eau, donc il va tremper. Il va rester immergé dans une eau très fraîche. Les temps de trempage vont dépendre des types de riz, des taux de polissage. Typiquement, le Yamada qui est poli à 50%, donc pour lequel il reste que la moitié de la graine, va rester à peu près 12 minutes dans de l'eau. A contrario, le Tamazaka, qui est un riz beaucoup plus dur et qui est beaucoup moins poli, enfin, c'est notre choix, le polissage va rester 6 à 7 heures. Donc on va laver, faire tremper et égoutter le riz systématiquement la veille de sa cuisson. Nous, on cuit les mardis, les jeudis et les vendredis, qui correspondent au rythme d'ajout de riz dans les cuves et de matière. C'est notre rythme à nous parce qu'on fait une cuve par semaine. Donc voilà, on prépare systématiquement notre riz le lundi, le mercredi et le jeudi. La première chose qu'on fait en arrivant les jours de cuisson, ça va être de démarrer cette grosse machine derrière qui a un générateur de vapeur. Ça produit de la vapeur à haute pression. Et c'est cette vapeur qui va nous aider à cuire le riz en fait. Et le riz va cuire à l'étuvée comme ça pendant 1h15, 1h20. Au terme de la cuisson, qui a lieu le matin,
La cuisson termine souvent chez nous entre 8h et 8h15. On va venir sortir le riz. Donc pour ça, c'est très simple. C'est ultra manuel. C'est deux seaux, une pelle. Et on sort ça à la pelle. On va ensuite le refroidir. On va verser 15-20 kg de riz dessus et on va le refroidir en brassant la main. C'est la partie la plus chronophage parce que quand on cuit 500 kg de riz, ça peut prendre 2-3 heures à refroidir. Il faut vraiment les brasser plusieurs fois pour arriver à les tomber à température la plus fraîche possible. Alors je dis la plus fraîche, c'est pas intégralement vrai puisqu'on a deux types de riz dans la production de saké. Un riz qu'on appelle le kakemai et on a ce qu'on appelle du kojimai. Le kojimai, c'est la spécificité du saké. C'est un riz qu'on va enzymer en fait. Naturellement, dans le riz, il n'y a pas de sucre, en tout cas pas de sucre simple comme le glucose. En revanche, il y a un sucre complexe, un sucre long qui s'appelle l'amidon. Mais l'amidon, les levures, elles ne peuvent pas le décomposer en alcool. Donc, pour arriver à produire du sucre, il faut qu'on enzyme notre riz. Et notre enzymage, il va se faire dans une pièce très spécifique. L'idée, ça va être donc d'amener une partie de notre riz cuit. On va refroidir un peu moins, on va laisser autour d'une trentaine de degrés. Et on va venir le mettre dans cette pièce-là. On a une grande gaze qu'on lave à chaque utilisation, qu'on vient poser sur la table. On dépose notre riz sur une couche d'environ 2 cm d'épaisseur et on va venir l'ensporer. Donc, avec un geste assez simple, on a un petit verre avec une gaze et à l'intérieur, on a ce qui s'appelle du kojikin. Le kojikin, c'est une enzyme qui pousse naturellement sur le riz quand il est à l'état de balle, en fait. Et qui va venir travailler l'amidon du riz pour le transformer en sucre. Donc on ensporte notre riz une première fois avec cette enzyme, on retourne le riz, on l'ensporte une deuxième fois, et on va venir ensuite former une boule qu'on va laisser reposer au chaud, sous des duvets, pendant toute la journée. L'idée c'est que notre petit champignon pénètre à l'intérieur du grain de riz et commence à grignoter l'amidon pour en recracher du glucose en fait. On contrôle systématiquement la chaleur à l'intérieur de notre riz aussi. Donc on a des thermomètres à sonde des portées qui nous indiquent à combien il est. Et on va venir régulièrement aussi le brasser pour rajouter de l'air parce qu'on veut que le champignon travaille, mais il ne faut pas qu'il monte trop non plus en température. S'il monte trop en température, il mange tout le riz et la matière devient inerte en fait. Donc c'est tout un jeu de contrôle de température. Les 24 premières heures se passent dans cette pièce-ci. Le lendemain, on va arriver, on va égrainer notre boule de riz qui a passé sa petite nuit sous les duvets. Et ensuite, on va venir le placer dans des boîtes par petite quantité. Alors, on a soit des petites boîtes de cette taille-là, soit on a des boîtes qui sont un peu plus grandes. Et le riz va passer encore un peu plus d'un jour et demi dans cette pièce-là, en fait. On va venir le brasser toutes les 3, 4, 5 heures pour rajouter de l'air. C'est fait à la main. Ensuite, on dispose le riz en petites vagues, ça fait comme un carré sans dessus, comme les jardins zen un petit peu. Et on s'occupe de ça encore pendant ces jours et nuits. C'est le gros travail du toji qui est le maître de chef. C'est la partie la plus importante, entre guillemets, de la fabrication du saké, parce que sans bon koji, on ne peut pas faire de bon saké. Le process prend un peu plus de 2 jours et demi environ. Et là, on va le sortir de cette pièce-ci. Et on va venir le placer dans une pièce qui s'appelle le dekoji. Et il va être placé dans cette pièce-ci, sur des cadres. Pareil, on a des linges qui sont bien posés dessus, on les superpose. Et ici, l'atmosphère est dessiquée, donc on a la clim qui est là pour retirer toute l'humidité. Une fois qu'il est à 15 degrés, entre guillemets, ça le bloque, ça le met en une sorte de stase. Donc il n'y a plus de travail qui va se provoquer et on va pouvoir se servir de notre koji. Une fois qu'il est là, le koji est fait et on s'en sert dans les 48 heures qu'on suit sa fabrication. Donc oui, c'est pas très visuel parce qu'on n'est pas en prod du tout, mais une fois qu'on a notre koji, en fait, on peut commencer à fabriquer entre guillemets du saké. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un pied de cube d'abord. Tout ça se fait dans des cubes de 400 litres qui sont ici. Et on va venir placer premièrement de l'eau. Nous, en l'occurrence, on a de l'eau de source du pilac qu'on va chercher là-bas. On la garde la plus fraîche possible, donc on la verse à peu près le matin à 1 degré, un truc comme ça, les conserver au frigo. On va mettre ensuite des levures, donc des levures spécifiques au saké, une quantité de koji. Donc notre eau, nos levures, notre koji, et ensuite on va verser le riz cuit et refroidi. Donc ce riz cuit et refroidi, on essaie de le refroidir le plus possible, et ensuite on va bâtonner pour tout mélanger. Ça s'appelle un shubo. Le shubo, c'est le pied de cube, c'est ce qui va permettre de démarrer la fermentation et de démarrer la production de saké. Tous les matins, ce pied de cube, on va venir immerger, ça s'appelle un daki, donc en gros c'est une laitière, qu'on va remplir soit avec de l'eau très chaude, soit le soir avec des glaçons. Le but, c'est de faire prendre 2 degrés au mélange le matin et de lui faire perdre 1 degré le soir, en fait.
Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille l'hiver, parce que c'est plus facile de maintenir les températures, les écarts de température, quand il fait une température fraîche et stable. Et c'est vraiment ce qui va nous permettre d'activer les fermentations comme ça. Ça, c'est le prix de plus, ça s'appelle le chubo, c'est un peu plus d'une dizaine de jours. Une fois que c'est fait, que la fermentation est lancée, on va le transférer dans une cuve plus importante, qui s'appelle une cuve de Moromi. Le Moromi, ça va être la fermentation principale. Ça se passe à l'intérieur de ces cuves-ci. Et on va venir rajouter de la matière en trois étapes successives. C'est ce qu'ils appellent. Au Japon, ils appellent ça un sandan shikomi. Donc sandan, c'est trois étapes, et shikomi, c'est cuisson de préparation. L'idée, c'est que nous, on transfère tous les lundis matin notre pied de cuve dans les cuves principales. On va lui laisser la journée pour s'habituer à sa nouvelle maison, et de sorte que la fermentation reparte et que tout soit bien stabilisé, et qu'il n'y a pas eu de problème pendant le transfert. Le mardi, on va faire un premier ajout de matière, c'est-à-dire qu'on va venir à chaque fois, pendant ces trois ajouts successifs, on va venir doubler la quantité de matière qu'on avait présente dans la cuve avant. Nos cuves, nos pieds de cuve font à peu près 100 kg. Donc c'est ce qui va se passer. Le mardi, on va rajouter à peu près 100 kg de matière sèche et autant d'eau. En fait. C'est toujours sur la même proportion riz blanc refroidi et riz enzymé, donc goji, et de l'eau. On rajoute à chaque fois ces trois éléments-là. Le mercredi, ça s'appelle Odori no Ki, c'est-à-dire le jour de la danse, parce qu'on est censé rien faire dans la brasserie puisqu'on l'a transféré. Ça n'arrive jamais, rassurez-vous. Toujours un truc à faire, mais on va laisser la fermentation repartir. Ensuite, le jeudi et le vendredi, c'est pareil. On vient encore rajouter de la matière, donc on va rajouter le jeudi plutôt 200 kg et 200 litres. Et le vendredi, rebelote, on va rajouter 350, 400 kg et 400 litres. Une fois que cette étape, donc le sandan shikomi, est terminée, le gros du travail, entre guillemets, est fait. On va simplement venir bâtonner ça matin et soir pour que le mélange soit bien homogène et qu'il n'y ait pas de paquet de riz qui se forme au fond. Et on va venir échelonner ça, enfin on vient échantillonner ça tous les deux jours. Une fois qu'on a fait notre ajout aussi, que notre dernier ajout a été fait, on va laisser monter en température, donc on va laisser la fermentation se faire. Et en fonction du moment où on va décider de bloquer cette fermentation, ça nous permettra de déterminer le taux de sucre résiduel avec lequel on va travailler et de déterminer après à quelle température on poursuit les fermentations pour avoir tel type de saké. C'est entre 3 et 5 semaines selon les types de saké, et ensuite, au terme des 3 à 5 semaines, on va pouvoir extraire le saké et aller le presser. Donc là, ça se passe dans l'autre partie. Une fois que nos fermentations principales sont terminées, on va extraire le saké, donc le contenu de la cuve, et on va venir extraire le saké, donc nous, c'est par gravité. Il y a plusieurs moyens de filtrer et de presser le saké. Ça, c'est une vieille méthode qui s'appelle le funé. Donc le funé, c'est une presse. Vous pouvez aussi l'extraire avec une centrifugeuse. Nous, on a ce système-là, donc c'est une machine qu'on a fait venir du Japon. C'est vraiment très simple. On relève le plateau, on va amener le saké, le contenu de nos cuves, avec une pompe à l'intérieur de cette presse. On remplit ça, le saké, dans des sacs en toile. On va venir disposer avec un double pli dans le fond de la cuve. On les met côte à côte, on les empile. Quand la cuve est pleine, on va laisser simplement le tablier descendre par gravité les premières 24 heures. Le saké va être donc extrait naturellement, il va couler juste par en dessous. On a une petite pompe avec un cuvon de récupération qui est asservi à la presse, qui va venir au fur et à mesure repiquer le saké qui est donc pressé et qui va venir le mettre dans des cuves de décantation. Une fois que ça c'est fait, on ressort nos sacs, on extrait les lits de saké qu'on va garder dans les cuves. À savoir que les lits de saké, vous pouvez vous en servir pour faire soit des marinades de légumes, qui s'appellent les tsukemono, soit pour activer des fermentations aussi. Une fois qu'un saké a été pressé, il est donc cuit dans les cuves de décantation. Comme c'est filtré à travers du textile, donc à travers des sacs en toile, il reste forcément un petit peu de matière, de la fibre de riz non assimilée, qu'on va laisser décanter, donc qui vont tomber dans le bas de la cuve. Ça reste 2-3 jours en fait pour décanter. On va ensuite extraire le saké avec la vanne de tirage au clair. Le saké va être repiqué dans une cuve un peu plus grande. Et là, il va attendre qu'on en décide de l'embouteiller en fait. Soit on l'embouteille tout de suite, soit on va décider de le stocker dans la cuve, auquel cas il sera pasteurisé. C'est aussi une des particularités du saké, c'est qu'il n'y a pas d'intrant, il n'y a pas de sulfite. Pour bloquer les fermentations, on pasteurise à basse température. Le saké est amené dans cette machine-là, il est injecté dans le serpentin
qui est immergé dans cette cuve. Dans cette cuve, on a de l'eau bouillante et on contrôle la température de sortie du saké entre 67 et 68 degrés à peu près. Donc soit on le pasteurise avant de le mettre en cube, soit on le pasteurise avant de le mettre en bouteille. Mais dans tous les cas, il sera pasteurisé. Certains sakés peuvent être pasteurisés deux fois. Une fois à la mise en cuve pour le garder, et une deuxième fois à la mise en bouteille. C'est souvent ce qui se passe chez nous. On les garde en cuve, donc on les pasteurise une première fois, ils sont pasteurisés en cuve. Et ensuite, quand on va les embouteiller, ils sont pasteurisés une deuxième fois. Une fois que c'est pasteurisé à chaud, on le laisse refroidir et ensuite, il n'y a plus qu'à l'étiqueter et entre guillemets à le vendre ou à le boire. Il faut savoir que toutes les parties qui ont lieu ici, on peut très bien s'en dispenser. Je pourrais très bien essayer de faire un saké qui sera non pressé, non filtré, non pasteurisé, non réduit. Je peux très bien essayer de faire quelque chose qui sera simplement pressé, pas filtré et pas pasteurisé. Tout ça est modulable en fait. Ce qui se passe avant, c'est indispensable. Je ne peux pas m'en soustraire. Je peux changer certaines méthodes de fabrication, notamment le levirage. Je peux décider de faire un saké qui s'appelle par exemple Kimoto, pour lequel on va bâtonner le pied de cuve à la main, ce qu'on appelle le shubo. On va le faire dans un petit tonneau en bois et ça implique de venir toutes les 3-4 heures pour le brasser à la main pour ajouter des levures indigènes, le brasser après avec des bouts de bois ou des choses comme ça. Mais le process global est indispensable. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans la partie avant, dans son essence même, je ne peux pas m'y soustraire. En revanche, tout ce qui est là, je peux très bien décider de ne pas le faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère surtout que les explications de Grégoire vous auront plu, tout comme elles m'ont plu à moi. La visite est terminée, néanmoins, restez avec nous parce que la suite de la vidéo va arriver d'ici peu, à savoir l'interview de Grégoire qui a énormément de choses à nous dire. Donc, restez sur Saké Mambon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité des Saké Mambon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et je vous dis à bientôt. Et surtout une dernière chose, campagne !